j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie à l'instant. C'est comme si j'avais pris la mer, senti la grande vague, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si j'ai quitté la terre, je trouvais qu'en étoile, je l'ai suivi un instant. Mon nom, je m'appelle Alain. Je suis venu ici en Tanzanie pour des raisons de refuge. J'étais à Goma, au Congo, avec mes parents et mes sœurs. Alors, soudainement, en 2004, la guerre avait commencé avec la rébellion. C'est alors que nous allons prendre la fuite. Mon père travaillait dans les bateaux. Il était comme commandant. Il a été tué pendant cette guerre-là. Et nous étions éparpillés avec toute ma famille. Et nous avons pris les camions parce qu'il y avait des soldats, des militaires qui venaient à Kigoma. À partir de Kigoma, je suis venu ici en Tanzanie. Et ça fait aujourd'hui 8 ans que je vis ici. Je pense, j'avais demandé les refuges à l'HCR, mais les conditions auxquelles j'étais à l'HCR n'étaient pas très bonnes. C'est ce qui m'avait poussé de quitter et je suis venu à Dar es Salaam et je vis ici, ça fait 8 ans. Ouais, je suis musicien de formation, je fais l'école de musique à l'université, je suis à Stockholm en Suède. Ouais. Je suis professeur de musique, je suis professeur de piano, de guitare et de voix. Moi-même je joue aussi. Je pense que cette organisation m'a beaucoup aidé, l'Access for Refugees, parce que quand j'avais donné mon témoignage là-bas, j'avais passé une interview et c'est grâce à eux que j'ai trouvé le travail. Je travaille comme professeur de musique et de français ici et j'ai un permis de résidence maintenant.